Nutrition et la sous-alimentation d'une part et le gaspillage alimentaire d'autre part constituent des problématiques mondiales. Selon les Nations Unies, près de 750 millions de personnes souffraient chroniquement de la faim en 2022. En Côte d'Ivoire, que mangent les populations au quotidien? Cette info a tendu son micro dans les rues pour recueillir les avis. Moi, le matin, franchement dit, hein, faudrait pas se mentir. Je prends mon bon Zegen d'abord pour me mettre à l'heure. Même si on dit le petit déjeuner, café, croissant, ça c'est les blancs. Chez nous ici, en Côte d'Ivoire, ici là, il faut manger du béton pour être bien solide. Bah, le travail en fait là, c'est pas petit travail. Avec le soleil, tout ça là. Donc je prends mon bon Zegen d'abord, chez Choco. Voilà, à checker 100 francs, poisson 400 ou même 500. Un peu de piment, cumin, ajou, oignon, plop, ma journée a gagné. Matin. Mon matin, bon, souvent ça dépend. Soit je prends le petit café. À midi, je mange mon riz ou mon foutou. Le soir, je peux manger un spaghetti. Abidjan, là, nous tous on connaît, c'est pas chiqué, c'est du riz ou gaba. Donc, bon, en tout cas, mon alimentation du matin, c'est du riz. Je consomme riz chaque matin. À midi, gaba ou soit du riz. J'aime beaucoup le riz, en tout cas. Le soir, bon, je peux dire pareil, quoi. Je peux faire du 1er au 31. Puisque c'est ce que j'aime beaucoup, quoi. À midi, quand il y a un peu faim, je peux manger du riz avec de la sauce, mais souvent, je ne mange pas le midi. C'est le soir et attaque. Le soir, bon, quand je rentre à la maison, le soir, ma petite femme m'a fait un bon petit plat que je peux, vous voyez. Voilà, ça c'est un homme qui vit en couple. Bon, matin, moi, c'est garba d'abord, il m'ambiance d'abord. Voilà, garba, oignon, tomate. Après, maintenant, il finit, il prend un pot de café et puis ça roule. À midi, il mange un riz gras, chep. Généralement, je prends du pain avec des œufs, accompagné du café au lait, généralement. Le matin, j'aime beaucoup la tchéké et le poisson. En plus, bon, à midi, il y a du riz. Le soir, souvent, on peut boire du café avec du pain. Moi, bon, je consomme beaucoup le gaba. Matin, gaba, midi, gaba, peut-être le soir, riz. À midi, bon, après, je suis bon à quand, hein. Bon, donc, du coup, c'est le foutou. Après, du riz. Accompagné du bonne sauce, soit la sauce graine, soit la sauce gnagnan, soit la sauce guaguassou. Le soir, bon, ça dépend. Là, on se joue un peu les Français. Souvent un peu d'avocat, un peu d'espaghetti, un peu de tuc, léger quoi. Puis les conseillers ne pas me louer le soir. Mais de temps en temps, souvent quand le ventre est trop faim, on tape un foutu le soir aussi. Hein. Faut qu'on se dise la vérité. Après, on en Afrique, hein, on appelle l'éducation de manger salade, même oignon, tomate le soir quoi. Ça, c'est une vérité aussi. Voilà, là nous sommes en Afrique, donc durant César, c'est qu'est à César. Le matin, je mange du spaghetti, et à midi, le garba, et puis dans l'après-midi, riz et sauce. Dans la soirée, riz avec sauce. Souvent même là, quand les 16 heures là, ceux d'en haut là-bas, là, ils prennent le goûter. Nous, là, ce sont les croissants précaires, c'est-à-dire les bœufs flottos, là, leur retour. Voilà, nous, on appelle ça les croissants précaires. C'est ça, on se défend. Si on allait moins, peut-être on allait suivre notre manière d'alimentation. Voilà, parce que souvent, quand on finit de manger, voilà, il y a des fruits, il faut accompagner des fruits. Mais comme on n'a pas de moyens, donc on se contente de ça. Mais si on a les moyens, on peut accompagner des fruits, de la banane, des oranges. Le matin, mon petit déjeuner, c'est le café. Après, à midi, je mange peut-être du riz ou bien du foutou. Ce soir, je mange peut-être du poulet ou ça peut-être du frit. Voilà, ça dépend de moi. Les fruits aussi, ça me permet de me tenir un peu en bonne santé parce que j'aime beaucoup manger de la banane, aussi manger de la pomme aussi, ça me permet d'être en équilibre et c'est très bien pour mon alimentation. Voilà, donc je conseille aussi aux personnes aussi de manger plus de fruits et aussi avoir plus de crudités aussi en eux.